Ici, chez nous, il était question qu'on touche l'intérieur de la province où je viens il y a 2 jours. 48 heures seulement après son retour du Lalaba profond où il était en mission, c'est dans l'esprit de la 60e réunion présidée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, le 1er juillet dernier, que Paulin Kalau Kapenz, commissaire provincial du gouvernement en charge des sports, loisirs, culture et arts, a reçu les représentants des différentes entités sportives de la province dans l'optique de préparer les états généraux des sports prévus du 20 au 31 août à Kisantu dans le Congo central. C'est ici l'occasion d'aller parler et changer les choses. Je viens de parler de l'intérieur. Quand nos équipes viennent de l'intérieur, comment ils sont traités? Qui doit les prendre en charge? Qui doit les financer? Tout ça, ce sont des problèmes que vous connaissez. Les réalités qui sont les nôtres. Pour finalement rédiger quelque chose que la délégation du Lalaba pourra amener à Kisantu. Eh bien, nous, dans notre réflexion, dans notre cabinet, nous avons dit des personnes ici au Lualaba, c'est rien. Nous avons demandé au gouverneur s'il pouvait accepter qu'on ajoute quand même les nombres, cette fois-ci sous la responsabilité ou sous charge de la province. Son Excellence n'a pas hésité, elle nous a accordé cela. Débuté ce samedi 6 août, au Lualaba, les travaux préparatoires étaient concentrés sur les 6 thèmes retenus. Il s'agit de l'application et amendement de la loi sportive, la politique sportive nationale et les programmes de développement des sports, infrastructures et équipements sportifs, financement et sponsoring, stratégie relative à la promotion des sports et du fonctionnement, d'appui au mouvement sportif, ainsi que l'évaluation des états généraux de 2008. Qui vont l'accompagner par rapport à ça, parce qu'il y aura des panels, il y aura des commissions qui vont être créées. Il faudra qu'il y ait des gens qui défendent notre sport. Et ça, c'est important. Parce que l'invitation, on nous a dit, c'était 52 invités qui viendront des provinces. Et or, un calcul simple, 26 x 2, ça fait 50. C'est-à-dire que chaque province ne peut amener que 2 personnes. Mais la bonne foi du ministre est manifeste. Je crois que ce qu'il a dit est important. Dans son esprit de rassembleur, il a pensé qu'il fallait qu'il demande au responsable de la province qu'il y ait un ajout. Et l'ajout a été accordé jusqu'à ce stade. Maintenant, c'est à son niveau de contacter le niveau national par rapport à l'organisation, leur dire que nous nous prendrons en charge, nous, en tant que délégation du Lualaba, extra-délégation. Ces assises seront organisées pour élever le niveau du sport en RDC après plusieurs années de contre-performance enregistrées par les Congolais sur le plan africain, tout comme international.